est toujours victorieux habituellement. Ils étaient plus nombreux ce coup-ci. En plus, ils nous ont jeté des objets magiques. Comment? Bande d'incapables! On les cueille comme des raisins! Ils sont tous à moitié stabousites! Libérez-moi, bande de nous! De toute façon, je dirais un tombé au verrou! En tout cas, il fait plus de magie là. Allez, ouais. Vas-y, fais la magie! Allez, lâche-nous! Allez! Allez, allez! Ne l'abîme pas, j'en ai vendu un pour 3 pièces d'or ce matin. Il paraît même qu'il est fonctionné à l'approche. C'est un olivier. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises olives. Tu vois, on mange des olives, hein. On fait de l'huile d'olive. Et on se nourrit de ça, principalement. Oh, c'est quoi ça? Allez, sors ton épée, on va faire un petit entraînement, ça pourrait te servir. Un pied en avant, ton bras en avant aussi. Allez. Allez, plus de nerfs. Allez. Je dois te parler. Écoute, Éclair, ça fait plusieurs heures que je suis debout, j'aimerais bien m'asseoir si ça ne te dérange pas. Mais qui sont ces gens? Oh, rien, ne t'en occupe pas, ils sont pas de ce monde. C'est... D'ailleurs, notre monde. Comment c'est chez vous? Eh bien, comment vous dire? Nous venons d'un monde de peu près d'environ 7 milliards d'habitants. Nous sommes citoyens d'un pays démocratique qui s'appelle la France. Nous vivons dans un petit village qui s'appelle Moussab. C'est la France. Alors, ok. Alors, chez nous, on a la télé, c'est vachement mieux. On a des réseaux sociaux, on a Koh-Lanta, la nouvelle star. Koh-Lanta quoi? En fait, c'est comme chez vous, sauf que dans notre monde, les gens sont payés. Putain, j'ai envie de rentrer chez moi, j'en ai marre d'être ici, je veux pas rester un jour de plus. C'est clair, hein. J'ai envie de retrouver mon lit, mais je ne peux pas. Hé hey, la tripe, remets-toi à l'entraînement, sois grasse comme une porc. Oh quand même, comme un porc, tu exagères. Bon, tu vas me faire le plaisir de te remettre à l'entraînement ou sinon tu vas prendre une ramade. Quoi? Gras comme un porc? Oh la vache! Comment t'as fait ça? Mais je suis... Oh, il fait super froid en plus! C'est quoi? Oh! Heureusement, j'avais prévu mon bâton et mon écharpe. Oh là là! Mais ils sont où? Claire! Étienne! Savannah! Je ne sais pas si tu le sais, mais tu viens de pratiquer de la magie. Mais que se passe-t-il ici? Encore de la magie. Nous devons aller voir le boeuf. Les boeufs? Mais non, triple buse, le Bower. Le Bower est le premier des orphelins. S'il y a quelqu'un qui peut nous aiguiller sur la magie ou votre apparition, je pense que c'est bien lui. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais le Bower, ça me dit quelque chose, ça. Au fait, Déclaireur, qu'est-ce que tu cherchais à me dire tout à l'heure? Les fils de loup se préparent pour une guerre. Ils se préparent pour la guerre? Bon, on est très vite en train de nous.